Mélissa Plaza, bonsoir. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté, donc forcément, première question, qu'est-ce que la citoyenneté ? Moi, je pense que c'est le savoir vivre ensemble, c'est un peu le thème de la journée, c'est savoir être tolérant vis-à-vis des autres, accepter la diversité et considérer ça plutôt comme une richesse. Et alors, comment la citoyenneté se traduit dans le sport ? Pas toujours de la bonne façon, je dirais, mais après sinon, pour moi, la citoyenneté dans le sport, c'est la mixité, c'est la performance au travers de la mixité. Voilà, je dirais plutôt ça, le respect de l'arbitre, évidemment, le respect des règles. Et est-ce que ça, c'est facile au niveau professionnel dans le sport ? La citoyenneté ? Ben, pas toujours, c'est-à-dire qu'on a parfois des athlètes qui sont exemplaires et d'autres un petit peu moins, mais... Je crois que la citoyenneté ne doit pas reposer uniquement sur les athlètes de haut niveau. C'est tout le monde est citoyen, les gens du gouvernement comme les gens de la vie courante, les sportifs comme les autres. Et alors, est-ce que dans le sport, le vivre ensemble entre femmes et hommes, c'est facile ? Ça existe ? Ça existe. Maintenant, ça n'existe pas assez, je dirais, parce que pour l'instant, on est encore dans un monde où il y a beaucoup de scissions entre les hommes et les femmes, beaucoup de jalousie, mine de rien, parce que les hommes ont parfois l'impression que les femmes marchent sur leur plate-bande, ce qui n'est ni notre envie, ni ce pourquoi on se bat tous les jours, c'est simplement pour essayer d'exister dans un monde qui, jusqu'à présent, était plutôt masculin. Donc je pense qu'il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et concrètement, comment on peut faire avancer les choses ? En changeant les mentalités, en éduquant, en sensibilisant, notamment aux stéréotypes de genre, à la non-discrimination. Je crois que c'est l'essentiel. Et alors, qu'est-ce que c'est pour vous le vivre ensemble ? Je crois que c'est être capable de vivre avec les différences, être capable d'être libre, de s'exprimer sans avoir peur du regard des autres. Et puis simplement, oui, être tolérant. Est-ce qu'il y aurait une anecdote ou un souvenir qui pour vous illustrerait bien le vivre ensemble ? Le premier qui vient en tête, c'est mes copains de la fac qui au début étaient très réticents quant au football féminin et qui aujourd'hui, après m'avoir côtoyé quelques années, sont tous investis en tant qu'entraîneurs avec des équipes féminines. Donc pour moi, c'est aussi ça, le vivre ensemble, c'est changer au contact de certaines personnes.